Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel hebdo du routier. Cette fois-ci, je suis en la compagnie de King Kong Simulator, donc mon ancien collègue. Et oui, c'est moi. Confrère, on va dire. Collègue, confrère, comme vous voulez. Avec qui on a fait des vidéos sur pas mal de jeux au début, Euro Truck, Extreme Trucker, vraiment pas mal de choses. Et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau camion, un petit camion américain comme tout le monde les aime. Bande de bâtards, pourquoi vous passez juste quand je passe? Enfoiré. Donc voilà, je vous montrerai ce camion dans quelques instants. Pour l'instant on va savourer ce moment. Bon, ça rame un petit peu. Oh, c'est pourquoi ça coupe là? Eh les gars, vous faites... Ah merde, je suis pris dans le dos. Attendez, excusez-moi, squeezie. Non, pas squeezie. J'ai pas pris assez large. Pas trop serré. Donc on va faire une petite marche arrière, on va laisser passer les gens parce que sinon ils vont pas me laisser passer. Donc excusez-moi pour ce petit début catastrophique, un peu comme d'habitude. C'est un peu ma marque de fabrique. Ouais, si je passe la vitesse c'est mieux. Ah mais arrêtez de passer putain pile poil au moment où je veux passer, bordel. Putain, maintenant c'est le bus maintenant. Vas-y, mais avance, putain de bus, là. Bon, ça commence vraiment bien, là. Il y a le bus qui me... Bon, bah, pendant qu'il y a le bus, je peux vous montrer. Putain, mon petit. Donc, voilà, on est reparti avec un Mac Titan. très bien, un très joli Mac Titan. Qui est plutôt sympathique, avec une remorque de convoi exceptionnelle. Et sur ce convoi, on a un tank anti-émeute, on va dire. C'est comme ça, un char... attendez, comment il dit ça? Un char... Un tank, je sais plus quoi. Voilà, un tank anti-émeute, on va dire. Donc là, c'est vrai que j'ai pas réglé encore les feux. Tu règles les feux et tout. T'avais vu ça? Régler la calandre et les prises de toit et tout. Hop. On va mettre exceptionnellement parce que j'ai envie les gyrophares, parce que c'est vrai qu'en plus on est en convoi exceptionnel, donc on va mettre les gyrophares avec ce très joli Mac Titan. Regardez les feux, les rouges. Bon, je m'en fous, j'ai pas pris ta main. Ouais, t'as pas une option toi, hein? Pour la... Non, bah non, ça arrive des fois. Donc voilà, après bon bah pour une fois voilà, on va conduire un peu normal, hein, on va essayer de conduire un peu normal, donc on va se remettre en vue normal. Donc c'est des modes très sympathiques. Donc le mode du Mac Titan, vous le retrouverez sur le site ets2.lt ou it, je sais pas trop. Je sais plus exactement, il me semble que c'est LT. LT, ouais. Donc, qui est vraiment un très bon site. Franchement, tous les modes, ou presque, en ce moment, je les télécharge sur ce site. Il est vraiment très, très bien. Après, c'est vrai que, franchement, ce mode, bon, il a quelques défauts. Comme vous l'entendez peut-être. Bon, tant pis, il est orange. vous avez rien vu, hein. Je vous en... Hein, tu vas le prendre, merde. Non, pas le prendre, regarde. Tu vois, je le prends pas. Non, j'ai freiné. Donc voilà, après, il y a un petit défaut, je sais pas si vous l'avez entendu. En gros, on voit les clignotants. Bien, on entend le clignotant, mais on ne le voit pas, en gros. Je sais pas du tout comment dire. On le voit dans un sens, mais on le voit pas dans l'autre. Puisque on voit le levier du clignotant qui se lève ou qui descend selon... comment vous vous mettez, la position que vous voulez prendre,
Mais par contre, on voit pas le voyant qui s'allume disant que vous avez les clignotants et tout. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on va dire que pour un camion, franchement, comme ça, il est vraiment très bien. Regardez-moi cet intérieur. Il est vraiment magnifique. On a vraiment pas mal de trucs. Par contre, le truc, c'est qu'il est... Oh, on peut regarder derrière. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas très recommandé de regarder ailleurs que la route. Bon, je fais un peu le con. C'est vrai que... Voilà, il est très joli. On peut faire plus de choses que dans n'importe quel camion. Parce qu'il me semble que dans la plupart des camions, on peut pas regarder derrière. Et c'est un truc que j'aime bien. On va lever un peu de pied, peut-être. Comment vous dire, c'est vrai que il a pas beaucoup de chevaux, il n'est pas beaucoup personnalisable, hein, je trouve. Après, j'en ai vu des plus personnalisables que celui-là, mais voilà, en gros, il a quand même une bonne personnalité, un bon petit coup de main à prendre. Je trouve quand même que le Kenworth T800 que j'ai testé il y a 2 ou 3 semaines était un petit peu mieux. Après, c'est vrai que bon, il reste convenable. Ça y était, ça avant, je crois. Les trucs SOS. Après, c'est vrai que franchement, les modes sont de mieux en mieux quand même, même s'il y en a qui restent encore à peine potables. Parce que c'est vrai que quand on voit ça, voilà. J'en ai vu des bien mieux que celui-là, avec beaucoup moins de défauts. Par exemple, le Sprinter de la semaine dernière était très bien fait. Le seul petit défaut que j'avais à lui reprocher, c'est qu'il était aussi très peu personnalisable. Après, il y en a qui sont bien faits aussi. Il me semble que le Scania Stax était pas mal du tout. Bien personnalisable et tout. Vraiment très, très ouvert, on va dire. On peut faire pas mal de choses. Aussi, il y avait le Scania T qui était pas mal, ultra personnalisable. C'est même pas très personnalisable, c'est ultra personnalisable. Après, c'est vrai qu'il y a les modes Megastore. Je sais pas s'ils marchent encore sur ces versions-là. Je pense que oui. En gros, avec les magasins, les modes tuning, on va dire. C'est vrai que c'est un peu dommage. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas rien. Ouais, ça va, tu joues pas beaucoup. Ouais, mais bientôt, parce que mon ordinateur a merdé. C'est bien dommage. Et je suis tout nouveau, c'est normal. Ça fait quoi maintenant YouTube? Non, mais trop. Bah, t'as déjà fait des vidéos avec moi, je crois. Ouais, et. Bon, on fait ce cam, quoi. Voilà. Ça change rien, tu l'es pas non plus en FaceCam là. Non. Mais bon, moi c'est vrai que je commence un peu à prendre l'habitude. D'ailleurs, j'ai une annonce à faire d'ici 2, 3, peut-être 4 semaines, un mois en gros. Je vais commencer une nouvelle odyssée qui va certainement partir du bled, en gros, de l'Egypte au Caire. Parce que c'est vrai que... Bled, on se demande quel bled aussi. Hein. Bah après, des bleds, ça dépend d'où tu viens. Mais ouais, bah voilà. Parce que t'es pas... Donc voilà, ouais, j'essaie, je suis français. Français plus chouche, à peu près. Ouais. Donc voilà, après, c'est vrai que je vais faire certainement du Caire. Peut-être jusqu'à... Jusqu'à Marrakech. Ou un truc comme ça. Ou... Caire. Jusqu'à là-bas, en Pologne ou je sais pas où, là-haut. Ou peut-être en Norvège. On va aller avoir un peu de neige et tout. Je sais pas trop. Ouais, on verra pour l'instant. Je prévois. Je sais pas s'il y en a de la neige en Norvège. Je crois pas. Sur la TSM, il n'y a pas de neige. À part si tu mets le winter mode. Je vais mettre de la neige au bled, tu vas voir. Ouais, non. C'est pourri. Quoi? De la neige dans le désert? T'as déjà vu ça, toi? Non, mais c'est vrai que voilà, je sais pas encore ce que... Merde, il y a un piège. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire... T'as toujours le clignot. Hein? T'as toujours le clignot. Oui, là j'ai le clignot. Pour me dire ce que vous voudriez que je fasse comme trajet,
Là, cette fois, par rapport à la fois dernière, j'ai pas de limite de temps. Ça peut durer un mois, comme 2 mois, comme 1 semaine, comme 2 semaines. Bon, ça arrivera pas, mais généralement, je peux le faire en 1 semaine. Mais ça risque d'être un peu chaud pour le faire. Parce que c'est vrai qu'après, ça devient long. Il faudrait que je sorte 2 à 3 épisodes par jour. Putain, est-ce que je vais passer derrière normalement? Après, franchement, c'est vrai qu'il freine plutôt bien. J'ai rentré, mais j'ai pas pris de dégâts. Non, en ce moment, c'est vrai que je prends pas trop de dégâts, ça va plutôt bien. À chaque fois, de toute façon, par épisode, je prends toujours 2 à 3% à peu près. Mais bon, on va dire que c'est pas beaucoup. Après, j'espère pouvoir finir avant de devoir faire dodo. Dans le jeu, hein, pas dans la réalité. Parce que sinon, je me coucherai de bonheur. Je pense, hein. Non, putain, mais... De toute façon, je veux pas rester à H24. De quoi? Mais c'est un peu tôt pour aller se coucher maintenant. Parce que là, il y a à peine 3 heures. Ouais. Donc voilà. Après, c'est vrai que. T'es obligé de faire des pauses. Dans la fatigue. Dans le jeu ou dans la réalité? Dans le jeu. Bah oui. C'est bien pour ça qu'il dit que. Et que je dis que. Il faut que je fasse une pause avec. Avec mon personnage pour éviter de me prendre des brunes tout le long, mais je peux le faire. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans une de mes vidéos. J'avais dormi quasiment tout le long de la vidéo. Là, dans le jeu, hein. Ouais, parce que. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais, tu ramasses. Si vous savez pas lequel c'est la visite de la Russie que j'ai faite au mois de novembre, je crois. Non, plutôt. Encore avant. Au mois d'octobre, qui est l'une des. Je travaille sur la gauche. Bah, je suis bien obligé. Hein. Donc voilà, c'est l'une des dernières vidéos que j'ai faites. Je sais plus trop. Non, je sais plus quand c'est que je l'ai faite exactement. Mais c'était avant quand même. Mais je sais plus exactement quand c'est que je l'ai faite. Voilà, ça c'est pas précis, on va dire. Où j'ai fait la visite de la Russie, en gros, de la map de la Russie. Et le seul truc qui était dommage, c'est que j'ai vraiment. En gros, j'ai dormi au bout de 10 minutes, 10-11 minutes, et j'avais quasiment des écrans noirs tout le long de la vidéo, hein, de fin de compte. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est plus intéressant de pouvoir jouer comme ça à moitié endormi, on va dire, parce que c'est vrai que. Ouais, il me reste 3 heures encore de combo. Donc ce qui fait que ça va me durer encore une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, je sais pas. C'est déjà une quart d'heure quand même qu'on a en vidéo. Après, c'est vrai que de faire des vidéos, c'est quand même plutôt fatigant. Après, faut prendre l'habitude. Mais... Si t'as pas l'habitude, t'es dans la merde. T'as la rude. T'as la truc rude. Là, elle est pas... J'ai pas compris là. C'était une vanne un peu con. Ouais. Ah. Trop con. J'arrête hein. Ah putain. Ah ouais, en plus je vous ai montré le camion de la semaine prochaine finalement. Parce que comme vous l'avez vu, le Scania R1000, le camion tout bruyant et tout, c'est le camion que je vous montrerai la semaine prochaine. Il veut bien fonctionner. Normalement, oui. Pas de soucis. Tu De quoi non? Je vais le faire. De quoi non? Mais tu pourras le faire sur ta chaîne si tu veux, mais moi je le ferai sur ma chaîne. Vas-y. Le Scania R1000 avec 1000 chevaux. Je sais pas si je peux le mettre, c'est juste un Scania Streamline ou un normal ou un Scania R et basique avec les 1000 chevaux et tout et bien le pousser et tout faire comme un et après avec un petit skin qui passe bien là un skin du style camion de rallye, je sais pas si vous voyez bien et tout voir si je peux le faire et tout ça pourrait être pas mal donc on verra. Et pour l'instant, je vais quand même vous présenter le Scania R1000.
Après, on verra ce que je ferai en plus, mais pour l'instant, donc voilà, je vous ai dévoilé l'un de mes projets. Il y a un autre projet aussi qui me titille, mais ça, c'est dans la vie IRL. IRL plutôt, excusez-moi pour ce. T'as pas compris. Donc, voilà, en gros, ouais. Mais sauf que ce projet-là, pour aboutir, il faudrait peut-être l'aide de mon collègue avec peut-être des GoPro, des trucs comme ça, on verra. Je serai là, moi. On verra, on verra. Peut-être la tournée un dimanche. N'importe où. De toute façon, tu me tiens au courant. Ouais, ben on verra ça. Je te tiendrai à un rendez-vous. Toi, on dirait Homer Simpson, mais pas avec les donuts, avec les rendez-vous. C'est bien les rendez-vous. Donc voilà, on va arriver à un nouveau péage, on va devoir encore cracher de l'argent. Franchement, les gens, ils servent qu'à ça. Cracher de l'argent, je serais riche au bout d'un moment. C'est cracher de l'argent. Non, mais t'as pas compris ce que ça veut dire? Bon, bah, voilà. Si on crache l'argent, c'est bien, non? Oui, mais en gros, ça veut dire vider mon portefeuille. Oui, mais je sais, bon, c'est taquine. C'est vrai que vu la quantité d'oseille qu'on a, on n'est pas à, quelques 3 euros près, ou parce que là, c'est pas 1000 balles. Hein. Si tu vas, si tu payes 1000 balles au péage, faut que tu changes de péage, hein, ou faut que tu sortes tout de suite et puis tu prends la départementale, ça coûtera moins cher. Tu perdras peut-être 2 heures, 3 heures, mais c'est préférable quand même. Mais excuse-moi, t'as combien d'argent? Ah oui, excuse-moi. Bah oui. 1000 balles, c'est rien pour toi. Hein. Bah oui. Ah bah voilà, mais je vais pas mettre 1000 balles dans un péage. Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je t'ai dit, pour 1000 balles, ça va rien te faire. Bah si, là, c'est quand même 1000 balles, même si à chaque fois je les mets dans mes camions pour les réparer. Mais même si t'as 1000 balles, tu mets dans un péage pour toi, s'il te plaît, ça va faire quoi? Même pas 1%? Bah si, on s'entend. Tu prends? On passe, 21 balles. Allez, hop, 21 balles de péage. Voilà. Allez, hop, on paye encore, on est bon qu'à payer, hein, dans ce foutu pays. Ah mais d'un coup, on te paye. De quoi on me paye? Bon, bon, c'est vrai que j'ai gagné 10 000 balles, mais bon, et encore, même pas. 12 000 balles. C'est sûr? Ouais. C'est tant que ça. Ouais. Eh ben, 12 000 balles juste pour aller jusqu'à Reims. En gros, pour faire France-France, tu payes 12 000 balles. Excuse-moi, c'est un convoi exceptionnel. Mais c'est un faux convoi exceptionnel, c'est un mode aussi. Ouais, mais voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modes là aujourd'hui. Bon, c'est vrai que je vous l'avais déjà présenté ce mode-là, en fait. Le mode de la remorque, je vous l'ai déjà présenté. Par contre, le mode du camion, je ne vous l'avais pas présenté. C'est un mode exclusif. Pas YouTube, mais à ma chaîne, en tout cas. Merci, mon gars. On va passer sur ce côté, là. On va doubler tout le monde, là. J'espère que non, je ne l'ai pas pris. Donc, voilà, c'est... ouais, mais de toute façon, il va vraiment, c'est bien. Donc voilà, n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous pensez de mes projets. Je m'en fous, je suis un convoi exceptionnel. T'es un convoi exceptionnel. Tu prends le double de la route. Tu veux que je me mette en plein milieu? Non, vraiment? Tu vas grandir. Tu as grandi quoi? Bah, tes virages. Ah, des virages. Je pensais que tu parlais de quelque chose. Petit pervers. Bah, tu vois, en plus il sonne, bah, maintenant tu dois dormir. Il fait Tu vas dormir à la prochaine station. Enfin, à la prochaine station. Bah non, parce que sinon je vais être en retard. Et je pense à temps. Ouais, tu vois que. Ouais, il reste 5 heures. Si tu dors, c'est 6 heures. 6 heures de sommeil. Bon, je sais pas combien de temps. Donc on va aller jusqu'au bout, même si je me prends une prune, c'est pas très grand. Même si c'est. Tu peux remettre la carte, s'il te plaît, tu me stresses. Bah, elle est là, la carte. Ouais, aussi. Même si j'aime pas celle-là, mais bon. Mercredi, 21h. Ouais, il reste. Oh putain. Donc voilà, hop, après, on va pouvoir. En plus, on a 35 tonnes quand même, hein.
35 tonnes et notre camion il fait combien ici 600 chevaux, je crois. Ou 540. 540. Ta gueule, c'est beau, j'ai compris que je devais dormir. Oh, faut bien parler, Mathias. Ouais, quand on parle bien, je parle bien. Là, t'as rien fait, le jeu. Bah, si, il a fait bip bip bip. Parler, ouais, mais de toute façon, tu vas voir que tu vas me mettre des prunes toutes les 10 secondes. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est. Ce jeu, malgré qu'il rame, il fait quelque chose. Hein, il a vraiment. Moi, je trouve vraiment que c'est comme une bonne bouteille de vin. Elle se bonifie avec l'âge. Ben, ouais. Sauf que là, c'est le jeu, quoi, qui se bonifie avec l'âge. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Franchement, je m'en fous si c'est bonifié ou pas. Tant que tu l'aurais, tant qu'on joue. Toi, en fait, tu t'en fous. Tu pourrais jouer un GTA V qui ressemble à ta gueule, à Minecraft. Ah, là, parle-moi pas de ce jeu. Donc voilà. Dis pas. Moi, je préfère jouer à un jeu comme Minecraft qui ressemble à Rust ou à comment ça s'appelle, la Stranded Deep, plutôt que regarder un Minecraft, quoi. Minecraft, c'est regardable, c'est pas un jeu. Après, écoute, ça reste un jeu. Il y a des fans de c'est pas jouable. C'est... Je me demande comment ce jeu a pu même avoir un succès sérieux. Les années 90, comment ils font? Ouais, mais bon, à l'époque, on n'avait pas la technologie. Là, on a la technologie pour faire des jeux hors normes. Il y a des fans des années 90, quand même. Hors du commun. Il y a des fans des années 90. Regarde, t'as des jeux qui, à l'époque, étaient pas terribles niveau graphisme. Mario? Comme Mario? Ouais, si tu veux. Ouais, mais Mario, ça a évolué. Je pensais pas à Mario, mais oui, si tu veux, Mario. Ouais. Moi, je pensais plutôt à un truc du style Pokémon. Et maintenant, tu regardes, c'est un truc, mais monstrueux, quoi. C'est super bien, quoi. Je préfère mieux les anciens épisodes de Pokémon. Oui, tu parles, mais toi, tu parles des dessins animés, moi, je te parle des épisodes, même niveau jeu. Ah non. Oh, aussi. Là, le dernier jeu qu'ils ont sorti, Ruby Omega et Saphir Alpha, ils sont vraiment très bien. Franchement, super bien fait. Je vais mettre en quoi? Donc c'est vrai qu'on parle, on vous parle pas trop aujourd'hui, en tout cas moi. Oui, s'en fout. C'est méchant. S'en fout un peu. Pas trop parce qu'il faut pas être non plus trop méchant, trop sadique, même si on peut. Voilà, après n'hésitez pas à dire ce que vous pensez des vidéos. Des projets aussi, même si je vous en ai pas beaucoup communiqué, parce que c'est vrai que les projets faut éviter, parce que après c'est vrai que des fois il y en a qui piquent un peu, même si je m'en fous concrètement, parce que voilà, en gros on peut faire chacun son truc, différent ou pas, ça reviendra toujours à des trucs différents. Comme mon collègue, il fera les mêmes choses que moi, mais j'en ai rien à foutre. Moi, c'est surtout sur World of Tanks que je vais faire. Je ferai sur Truck 2. Il y a quoi encore? Peut-être Shadowgun. C'est bien. C'est comme un Call of Duty. C'est de la merde. Non. Ghost. Ghost. Ouais, Ghost. Comme un Ghost. On commence déjà à dormir là. Ouais, je vais faire plein d'autres jeux, mais. Principalement de World of Tanks. Pas sonné. Ouais. C'est mon téléphone. Non, c'est ton live, ouais. la blague. Non, je déconne. Non, c'était non, une blague, pas, mais elle n'était pas bonne. Mais... Non, il fallait pas, Là, on est déjà à 24 minutes de vidéo. Je trouve déjà qu'on s'en sort plutôt pas mal. Pour l'instant, il nous reste encore 2 heures de route en gros. Pas comme c'est long. Ça va encore. Et encore, j'appuie sur le champignon. Hein. Je suis pas. Je tape sur le champignon. Je suis pas le petit vieux. Hein. Et j'ai pas encore eu d'accrochage.
Bah si, j'ai essayé de télécharger une autre map qui me paraissait bien, mais en fait n'est pas terrible. Bah, je l'ai pas trouvé en fait de différence. C'est ça le truc. Donc je sais pas, je vais essayer de voir ce que c'est, parce que normalement c'est une bonne map et tout. Bien, c'est en tout cas un complément. Ce que je vais dire par complément, c'est que cette map, elle permet en gros, c'est un peu comme Extreme Trucker, mais en version quand même bridée, on peut dire. Pas asiatique, hein. Bon, je sais, c'est du bon merdique, mais... Oh là là, fallait pas la sortir, celle-là. En gros, c'est pas vraiment... En fait, c'est... Mais accélère, toi aussi. Bah, tu crois que je suis en train de faire quoi? Je suis à fond sur la pédale. C'est un peu comme... en fait, c'est... C'est pas encore, ça. C'est entre Spin Tear et... Bon, pas trop. Non, ce serait plutôt, en fait, vraiment comme Extreme Trucker. Avec des virages assez compliqués. Comme dans un certain endroit, je me rappelle plus, c'est en Afrique, je crois, dans la TSM. Tu t'en rappelles, Mahmoud? Bien. Non. Celle-là. Oh, je pense que si, tu t'en rappelles. Le camion aussi doit s'en rappeler. Bah, de l'endroit au virage. Le gros virage. Ah non, tout petit. Eh, hey, mais serré. Oui. En gros, voilà, c'est ça, c'est plein de virages serrés, etc. Qui, mais d'ailleurs, je peux pas garder ça. Ah, il reste 5 minutes. Je vais prendre des amandes. Non, il me reste encore 1h30 de convoi. On voit le petit point qui est vers la carte. Hein? Voilà. Oui, mais en fait, c'est faussé un peu le petit pont, il n'est pas au bon endroit. Donc voilà, après, c'est vrai que ce petit bout, en fait, je pense que c'est juste un additif, en fait. Un peu comme. Où c'est qu'on met de l'additif comme dans. Voilà, comme dans le pastis, on rajoute de l'eau. Voilà, c'est à peu près pareil, sauf que là. On va te faire Red Bull. Non, ça, c'est dégueulasse. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Moi non plus, parce que j'ai pas envie d'en mourir. Même si ça me dérange pas, parce que je m'en fous. Et bah, t'as qu'à crever. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est un peu comme ça en fait. C'est juste un petit bout de map, parce qu'il y en a beaucoup, des trucs comme ça. Bon, tu peux pas te mettre en silencieux ton truc là. Non, désolé. Puis dis-moi. Enlève la sonnerie. En plus, je peux pas, mon téléphone là, il est cassé. Et bah, t'as qu'à changer de téléphone. Bah, attends, ou tu l'éteins. Attends. Déjà, je suis au milieu même. Donc, c'est pas grave, de toute façon, c'est ce qu'on les entend même pas. Bah, là, vu que t'as oui, parlé. Mais nous, non. Mais ben, nous, oui, on est... peut-être que la caméra l'entend pas, mais ça m'attend. Bon, c'est pas grave, on va arrêter de parler de conneries comme ça. Concentre-toi sur le jeu déjà. Moi, je suis concentré, hein. Attends, moi je peux faire 25 heures, hein. 24 heures, c'est mieux. Non, on va attendre les 1000 abonnés pour faire ça. Non ouais. Au moins 1000 ou 2000 avant les 24 heures de live. T'as combien d'abonnés déjà? 12. On en est très loin. Ça peut arriver très vite. Oui, je sais. Non, je pense que déjà pour les 500 abonnés, on fera 4-5 heures de live. Au moins, déjà pour se faire un peu au truc. Après, au 1000, on fait 12. Et au 5000, on en fait. Non, 14. Ou 15. Et après, c'est toi qui vois, hein, c'est ta chaîne. Et après, ben, on le fera tous les deux, je pense. Hein. Ouais. Ça veut dire, on va pas dormir. Allez. Tu dormiras après les 24 heures. Mais je pense qu'avec ce qu'on va prendre, si on fait des lives de très longs, ça va péter la forme, mon gars. Hein. Même au bout des 24 heures, on sera encore debout. Hein. On serait prêt à partir et tout.
C'est comme la dernière fois, à la fête de la musique. Ah ouais, putain. Mais on était parti de bonne heure quand même. Ouais. On était parti, il était 2h du matin. Ouais, bah, moi, je suis arrivé chez moi à 2h du matin. Donc, c'est fait qu'il était minuit quand on est parti. Non, pas moi. Non, pas moi. Moi, je suis parti. On est parti tous en même temps, hein. On ouais, est pas, moi je suis pas arrivé à 2h. Oui, mais toi t'as plus de chemin toi. Non, j'ai arrivé un peu avant. T'es arrivé en 2h? Ouais. Sérieux? Ouais. Enfin c'est bref. Moi j'avais les bus. Mais bon, c'est, là pour l'instant, c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus, ce serait d'avoir quelques abonnés. Mais avant, de toute façon les lives, je les ferai qu'une fois que je reste putain de fibre optique. Ça pourra arriver peut-être d'ici peu ou pas. C'est vrai que j'en parle beaucoup. Il n'y a pas grand chose qui arrive. Parce que c'est pas vraiment à moi l'abonnement internet et tout. Mais une fois que j'aurai la fibre optique, je pourrais essayer de faire des lives sur fond vert et tout, bien comme il faut. Bah, si ça fonctionne comme il faut, parce que c'est soit pour expérimenter. Ouais, c'est bien pour ça que je dis ça. Allez, 150€. Première ou deuxième, je sais pas, mais je crois que c'est la première. Donc voilà, après c'est vrai que voilà, j'avais vraiment envie d'essayer les lives. J'ai déjà un peu essayé, mais voilà, on va dire que c'est bon, j'ai compris que j'avais du fatigue. Mais moi pas, je fatigue là. J'ai pas le temps d'aller me coucher. Moi j'ai envie de me coucher. Allez, bon, je vais dormir. Enfin, va dormir. Tu me prendras le relais après. Ou pas. Donc là, il ne reste plus qu'une heure de route. Oh putain, 70 km/h. Non, 70 km. 80 presque. Pour éviter de retard, en gros, je préfère prendre presque 1000 balles d'amende. C'est bête, hein, mais bon, c'est comme ça. On va faire mieux être en retard. Ah bon? C'est vrai que en retard, ça, tu perds beaucoup d'argent aussi. Ouais, je sais. Je vais aller dans l'art de la conduite. Mais là c'est un vieux camion, il n'y a pas les disques. Il n'y a pas les disques dans les vieux camions, tu peux rouler tant que tu veux, c'est pas grave. T'as compris? Ouais. C'est dommage ça. Je voudrais bien faire. De quoi? Faut qu'il fasse une mise à jour, tu vois. Mais techniquement tu les as les disques, tu te prends des amendes à chaque fois. Mais c'est pas ça. Pourquoi il n'y a pas de policiers qui nous arrêtent? Bah parce que t'as des radars. Ouais, ah, mais les contrôles, ouais, les contrôles. Ah, tu te fais auto-arrêter, en gros, c'est c'est des radars ultra performants, tu vois. Et ceux-là, ils se voient pas. Ah, merde, non pas les plafards. Je voulais mettre le clignot, mais je ne peux pas. Donc voilà, en gros, c'est des radars ultra performants. Ils voient si t'es fatigué, pas fatigué, si t'as conduit, si t'as pas conduit, si tu veux conduire. Ta gueule, putain, je m'en fous des prunes. Je sens que je vais mettre un mode pour qu'ils me mettent plus d'amende. En plus, il y en a. Mais je sais que ça existe. Sinon, je le dirais pas. Ou sinon, on rajouterait plus d'argent comme ça, au moins. Mais bon, c'est un peu inutile quand on arrive à 95 millions de devoir encore ajouter de l'argent. Ah, Mahmoud. Non, je m'appelle pas Mahmoud, je m'appelle Malcrem. Tu m'en fous, c'est pareil. Tu veux te tuer. Maintenant, tu pourrais t'appeler mon pipeau magique, ce serait pareil. Hein. T'es pédé, toi. Ouais. Juste envie de t'inviter, c'est tout. Oui, mon petit. Donc il est presque 19h. On est bientôt parti pour arriver à Metz, c'est ça? Ouais. Je sais pas s'il va somnoler notre gars, mais bon. On est presque à 100 km/h, il faut s'arrêter. Bande de bâtards. Bon, tu vas freiner aussi parce qu'il a des moteurs. Je suis en train de faire quoi, Guignot? T'es en train de mais je freine pas tout le temps non plus, mais je suis plus à la vitesse que j'étais tout à l'heure. Donc voilà, après n'hésitez pas à dire par exemple si c'est mieux quand mon collègue est là ou pas. Mais je pense que c'est plutôt pas. De quoi? Pourquoi tu fais cette tête?
Parce que c'est vrai que là on chamaille un peu et tout. Bon, c'est pas méchant, mais voilà, c'est un peu saoulant en fait. Même si j'ai rien contre lui, lui n'a rien contre moi à peu près. Si j'ai envie de le tuer. Ouais, c'est pareil pour moi, mais je m'abstiens. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que j'ai envie de tuer. Mais... justement. Mais bon, il est quelle heure là en fait? En vrai ou dans le jeu? Bah en vrai, dans le jeu, je sais qu'il est 19h. Alors 3h30. Ouais. 35 minutes. Ouais, il reste 10 minutes normalement de vidéo. Ça devrait être faisable. On devrait pouvoir finir, les gars. Sinon, on va devoir se la faire en deux fois. Ouais, non, non, on va pas essayer de chercher quelque chose de tordu là-dedans. Tu pourrais, mais je vais pas essayer. J'ai pas l'air. Il y en a qui se la font plusieurs fois. Hein. Tu regardes. De quoi? Tu regardes ça. Ah. De quoi? Tu regardes les gens qui le font deux fois. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire par là. Oui, oui, oui. Bah, je sais pas, quand t'es marié avec quelqu'un ou même pas forcément marié, tu te l'as fait en plusieurs fois. Ouais. Ça a rien à voir avec regarder ou pas, même sans parler du. Ouais. Je sais pas si je vais somnoler, mais pour l'instant, je sens qu'il va pleuvoir. Imaginez-vous, somnoler sous la pluie. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Ah bah ça y est, c'est parti. Je l'avais senti ce coup là. Je l'ai pas mis. Youpla. Je l'ai pas programmé. Allez, roule le canter. Ah putain, en plus il veut sa livraison à l'heure ce con. Reste une heure encore. Deux. Quand il dit qu'il veut sa livraison à l'heure, ça veut dire qu'il te reste deux heures. Ah bah ça va encore. Bah, t'as le temps. What? Quoi? What? Quoi what? Bah je vois rien. Bah t'as mis les phares? Bah oui, j'ai les feux. Hein. Je vais pas mettre les pleins phares, ça serait inutile. Donc voilà, franchement là on voit pas grand chose. Là on voit pas grand chose du tout. Bon après ça vient peut-être du mod, du camion. Donc voilà, après c'est vrai que. Bon, je sais pas où. Ah non, je dois bien aller à mettre c'est tout. Il a grandi. La gueule, si j'ai envie de dormir, Regarde, tu vois, j'ai bien tourné comme il faut. Ouais. C'est la remorque, c'est la justesse. Ouais, non, t'as vu comme j'ai pris large? Ouais, et t'as pas vu comment le camion il a basculé? Ouais. Et en plus, je vois rien. Ah si, là, il faut un peu plus, j'ai l'impression. Ouais. C'est normal, t'accélères. Enfin, t'accélères, mais. Mais le truc, c'est que. C'est bizarre, leur truc. Mais de toute façon, le truc, il est plat, tu vas pas avoir. Ma camion. Donc voilà, après, c'est vrai que. Je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Franchement. Alors, comment ta vie? Faut que tu fasses un bon. Bah, je sais pas. Bon alors hier soir j'ai regardé Tintin. Waouh. Non franchement. Ah bah voilà. Somnolé sous la pluie, c'est excellent. Il y a un tel. Voilà, en gros hier soir j'ai regardé Tintin, franchement. Ce film, c'est vrai, franchement, c'est pas un film, c'est une animation il me semble, si je me trompe pas. Et franchement je le trouve mais vraiment super bien fait et tout. Et c'est vrai que. D'ailleurs, c'est bizarre, je me suis pris qu'une seule amende depuis le début. Bon, ça. Et franchement, j'ai vraiment été bluffé par ce film. Il a vraiment été très bien fait. Je sais pas comment dire. C'est vraiment un film qui m'a touché, qui m'a. Touché sous un certain sens, hein, pas sous un autre. Donc voilà, c'est vrai que ce film m'a vraiment, je l'ai vraiment apprécié.
Là, je suis en train de racler, là. Il y en a qui veulent me dépasser derrière. Excusez-moi, les gars, je vois rien. Donc voilà, Tintin, c'est vraiment un film vraiment super bien, qui était vraiment très bien fait et tout. Je sais pas si on va pouvoir finir, parce que là, j'en suis à 40 minutes. Non, il doit me rester 6 minutes. Même pas. Voilà, je savais bien que ça allait revenir. Donc voilà, et c'est vrai que... et en plus, c'est reparti derrière, et la somnolence. Franchement, je sais pas si ça a été... j'ai réussi à faire pire que ça. Je sais pas. T'as regardé quoi, pire? Non, j'ai réussi à faire pire. Pas regarder pire. Ouais. Non, parce que Tintin, c'était bien. Donc comment tu veux que je regarde pire? Pire. Le pire film que j'ai vu... C'est vrai qu'Expandable 1 était pas terrible. Hein. Bon, ça n'a rien à voir avec Tintin, je vous l'accorde. Mais, ben, si, quand même, dans le fond, c'est un film d'aventure, on va dire. Aïe. Oh, merde, en plus, c'est moi qui me prends l'accident. Bande de bâtards. C'est la voiture qui me fonce dessus, et puis c'est moi qui me prends l'accident. T'as qu'à freiner. Mais j'étais dans le virage. Bah, je m'en fous, t'as qu'à freiner. Et c'est pris ma remorque. Alors, t'es con. C'est pas moi qui suis con, c'est elle qui est conne, elle aurait pu s'arrêter avant. Ouais, mais c'est pas elle qui a pris la prime. Bah voilà. Bah oui, t'es con alors. C'est bien pour ça que tu je te dis pour ça. Les autres. mais je peux pas la revendiquer, c'est ça qui manque. Faudrait pouvoir revendiquer les prunes qu'on se prend. Donc voilà. Après, c'est vrai que Tintin, franchement, il était... Franchement, on dirait un film, ou presque. Même si je suis pas sûr que ce soit... Oh, calme-toi. Remets-toi sur la route comme il faut. On dirait vraiment un film bien et tout. Mais voilà, en gros, c'est vraiment très bien et tout. Il est vraiment très bien fait. Franchement, je dis chapeau à Steven Spielberg et à son équipe, parce que je pense qu'il n'était pas tout seul. Je suis même sûr. Parce que là, vraiment, il y a eu du boulot de fait là-dessus. Vraiment... Après, je sais pas quoi dire d'autre. T'as quelque chose à dire, toi, Mahmoud? Non, juste si vous voulez critiquer ou faire des commentaires qui sont bien, n'hésitez pas. Hein? C'est tout? Ouais. Ça te dérange? Ouais. Ah ouais, ça te dérange? Ouais, ça me démange. Ah bah alors tais-toi. Hein? C'est con, hein? Non, mais t'as pas faut compris. Le dire, il est con. T'as pas compris. Toi, t'as dit ça te dérange, et puis moi, je t'ai dit ouais, ça me démange. Mais c'est pour ça que je te dis t'es con. Non, c'est après que t'as dit t'es con. Non, mais bon, t'as pas. Mais bon, c'est pas le but. On va arrêter de parler de choses malsaines là. Tu me perturbes le cerveau. Et en plus, t'es déjà perturbé. Wow, calme les chevaux. Bah attends, quand tu somnoles comme ça, déjà que quand j'étais en Russie, je me demande comment j'ai fait pour pas avoir eu d'accident alors que je dormais comme un dingue. À tous les carrefours, j'étais en train de dormir. Je me demandais vraiment comment j'avais pu avancer. Petite tête. Je vais t'apprendre la petite tête. Toi, t'as autre chose de petit, toi. Ouais, c'est ça. Tout le temps en train de penser à un truc de travers, c'est ça. Mais ouais, mais c'est ça. Non, faut arrêter tout ça, faut arrêter. Ou faut commencer. Ouais, surtout pour toi. De quoi? Des trucs de travers? Ouais. Mais moi j'ai déjà commencé. J'élargis pas, faut élargir. Tu casses les colonnes. J'élargis si j'ai besoin d'élargir. Tu vois, j'ai pas besoin d'élargir, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Bah, t'as élargi. Mais j'ai rien élargi du tout. J'aurais si pu... Si tu restes sur la file, t'as sur remarque. La file. Sur la file, le... J'ai pas dit fille. D'aveu. Dérivé. Ah, j'ai dérivé. Ah non, merde, faut que j'aille tout droit, là. Après, faut espérer avoir assez de batterie. Assez de batterie. Il y a 2 minutes, normalement. La batterie est bonne. Salut les amis, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc j'avais plus de
deux places en gros, donc j'ai changé la carte mémoire. C'est reparti comme en... Et voilà, ça recommence. C'est reparti comme dans les années 30 ou je sais pas où, je sais plus comment on dit. Non, c'est reparti comme en 40, voilà, c'est ça. Putain, ça m'énerve ça. Faut vivement que j'enlève le volant. Donc voilà. J'espère que le jeu que vous allez voir mercredi, donc moi je vais tourner juste après, parce que comme ça au moins ça me laisse de temps de faire le montage et tout le bordel, vous plaira. C'est un petit jeu test qui est de 2009 je crois, ou 2011, 2010, dans ces années là je sais pas trop la date précise. Donc voilà, après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en penserez, excusez-moi. Parce que c'est pas bien de parler au présent alors que c'est pas encore paru. Là, techniquement parlant, c'est pas paru. Et après, ça dépend comment tu... quand tu regardes la vidéo. Mais bordel, putain, je veux pas dormir. Mais je vais dormir quand même. Oh bordel cul, bon. Donc on va pas tarder à arriver. Mais tu vois, j'ai même pas élargi là non plus. Je suis bon. Je suis vraiment trop bon. Mais t'as pas élargi, t'es... J'ai même pas monté sur le trottoir. Et si j'ai peut-être ma roue avant. Oh, qui a... Et encore, en plus c'est l'entreprise que j'adore en plus. Ça va être du lourd les gars. Tu vas te garer? Bah oui, moi je le gare à chaque fois, hein. J'appuie pas sur Enter en disant voilà. Surtout qu'en plus moi j'ai pas un volant terrible. Hein, toi t'as un bon volant et tu te gares même pas. La honte, franchement, la honte. La honte pèse sur toi et je ta descendance. Je me gare. Ah bon? Depuis combien de temps? Parce que ça doit pas faire longtemps. Bah si, justement. C'est juste que j'avais pas envie. Des fois j'ai pas envie, des fois j'ai envie. Ouais, mais je pense que t'as dû commencer après moi. Non, bien avant toi. Ouais, c'est ça. Si, si. Mais moi avant, en fait, c'est que j'y arrivais pas, et puis après je m'y suis remis, et voilà. En fait, j'y suis arrivé. Mais ta gueule, je suis à peine à 40 km/h, je vais pas vite. 120 km/h, c'est rapide, mais bon. J'y suis arrivé. À 150 km/h ou 120, même avec un camion, avec une remorque en plus, j'y suis arrivé. Bon, tu rames beaucoup là, tu rames beaucoup les gars. Lui c'est je pense le meilleur endroit pour garer sa remorque, c'est la meilleure entreprise pour garer sa remorque ici. Là je vois rien, c'est la meilleure entreprise. Ta gueule là, il y a putain, il y a un trottoir, il y a tout ce qu'il faut pour passer. Ah, tu vois, ça passe, je serre pas trop. Là où je pourrais serrer trop, c'est ici. Oui. Ça, je dis, ça. Et moi, j'aime bien passer limite, limite. Voilà, tu me fais chier, toi. Putain, oh, comme je. comme je suis content, je me suis pas pris un seul axe. Un seul point de dégâts. Bon bah voilà. Ça, c'est fait. T'as parlé trop tant vite. Pis. Tant pis. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, Twitter et Google Plus aussi. Et ouais, ça tu l'as pas toi. Là, je l'ai pas. Et bah, c'est bien fait pour ton gueule. Et bah, moi je m'en fous. Et bah, c'est bien fait pour ton gueule. Non, merde, c'est de l'autre côté. Donc voilà, donc n'hésitez pas à. Ou même juste à regarder. Hein. Je mets pas grand chose, mais après, je peux répondre à toutes vos questions. À tout, tout quoi, voilà. À peu près, hein. Pas non plus. Trop s'emballer non plus, hein. Mais je peux voilà répondre à peu près à toutes les questions. Bon, j'ai l'impression en fait de faire le con.
Mais bon, on a le temps. Il reste encore 30 minutes. Tu vas refaire 30 minutes? Ouais, non. Pour ça? Ouais, tu me fais peur, toi. Là, tu redresses. Puis là, il fallait redresser avant. Je sais pas comment tu comptes. Ah, parce que tu as bûché derrière. Je m'en fous. Je te dirai, bon. Ah, le rageur. Bon, vous avez rien vu. Je l'ai... En plus, rageur. Je suis en retard en plus. Bon, j'ai qu'une demi-heure de retard. Ça. Quoi? J'ai 11% de dégâts. Non, mais c'est abusé. J'ai perdu la moitié de mon fric en plus. Bon, vous avez rien vu, vous avez rien entendu, vous avez rien compris. Et moi non plus d'ailleurs. J'ai même pas compris comment j'ai fait pour être en retard. Donc, pour vous dire que ce camion est quand même joli dans son ensemble, quand on regarde comme ça, c'est un joli petit camion américain qui se la pète un peu, mais c'est quand même un joli camion américain. Donc voilà, donc on va se quitter sur cette révélation. Lui, MM Simulator, moi, King Kong Simulator. T'aurais plutôt dire Diddy Kong, parce que King Kong... Non, c'est moi King Kong. King Kong, il est là. Plutôt un con. Et alors, on peut être con et intelligent. Quoi? Bon, n'écoute pas nos conneries. Et regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Et en fait, faites ce qui vous plaît. Voilà. Kiffez. Mais pas ces vidéos. Donc je vous dis à plus. Ciao.